Eh bien bonjour à tous, on est sur Archer aujourd'hui pour détailler 2-3 petits points. Donc on va parler du patch note et des quick read qui ont changé entre cette nuit, hein, hier et aujourd'hui. Et est-ce que c'est en bien ou en mal, on en parlera juste après les amis. Bref, on va commencer avec le patch note, hein, qui se trouve juste ici, tac tac, voilà. On va voir un petit peu plus en détail le point 3, 4 et 5. Alors bon, le point 3 ajoute de nouvelles quêtes hebdomadaires et optimisation des quêtes quotidiennes. Donc quand on va ici dans les quêtes hebdomadaires, donc les quêtes journalières, on vient ici, effectivement, il y a des quêtes qu'on ne peut pas faire tout le temps. Exemple, hein, acheter une fois, à moins que tu sois Crésus, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, c'est pas du tout optimisé. Et pareil, hein, pour tout ce qui est ouverture des coffres, etc. Or, au psy, des fois, tu n'as pas de clé, tu ne peux pas le faire. Pareil, améliorer le héros, au bout d'un moment, bah, ça coûte un bras. Tu ne peux pas le faire tout le temps. Donc, je pense que ça, ils vont l'améliorer. Ils vont l'optimiser. Ils vont peut-être changer des quêtes pour en mettre d'autres quêtes. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir arriver des quêtes hebdomadaires. Donc là, on a quotidienne, hebdomadaire. Ça veut dire qu'on va avoir des quêtes à la semaine. C'est bien. Quelles seront les récompenses? On verra en temps et en heure. Mais ça, c'est bien, du coup. Effectivement, quelqu'un avait dit dans les commentaires que j'avais loupé ce passage-là. Effectivement, il y a des quêtes hebdomadaires qui vont arriver. Et c'est que du bonus. Hein, je vais vous dire, c'est très très bien. C'est que du bonus. Ensuite, on repart ici. Le petit 4. Patrouille des héros optimisés avec de l'équipement, des pierres précieuses et d'autres gains en ressources. Ainsi que, c'est la traduction, j'y peux rien. Donc en l'occurrence, on va peut-être obtenir des pierres précieuses. C'est quoi les pierres précieuses pour vous? Les pierres précieuses pour moi, c'est les joyaux, hein, voilà, je sais pas trop. Mais il va y avoir aussi de l'équipement. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui cette patrouille de héros, les amis, on vient ici, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement. Vous avez vu, il n'y a pas de PDS, donc les pierres de sang, il n'y a pas d'équipement. Et voilà, donc je pense que les pierres précieuses, c'est les joyaux, hein. Donc on verra bien, en tout cas, effectivement, regardez, quand je fais récupérer ici, voilà. Je récupère ça, je récupère un petit peu d'or, etc. Donc c'est pas folichon. Et effectivement, du coup, cette patrouille va voir, du coup, tout simplement, une petite mise à jour pour elle. Voilà, donc c'est assez sympa. Encore une fois, c'est que du bonus, donc on prend, bien entendu, à voir, bien entendu, la quantité des bonus, encore une fois. Pour finir sur le petit 5, les amis, augmentation de la monnaie et des gains d'équipement dans les chapitres normaux. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense qu'on est très nombreux, hein, voilà, à ne plus faire de normal mode depuis l'arrivée des PDS, hein, les pierres de sang. Aujourd'hui, le normal mode ne te sert absolument à rien, parce que du coup, tu as moins de ressources, moins d'or, moins de pare-chaud, moins de tout, en fait. Donc ça sert à rien, sauf si tu veux push, bien entendu. Donc aujourd'hui, ce que tu vas farmer, du coup, le HM, le hard mode, le hero mode, mode difficile en français. Et du coup, ce qui va se passer, bah, c'est que tout simplement, en augmentant les gains d'or, est-ce que le NM sera plus avantageux que le HM? Non, tu n'as pas de PDS dans le normal mode. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller farmer du normal mode. Donc pourquoi avoir augmenté, pourquoi plutôt augmenter plus tard, donc dans la future mise à jour, le gain en or en NM? That is the question. Telle est la question. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Bref, passons au plus gros morceau, les amis. Plus gros morceau, un des morceaux importants, les quick raids. Hein, c'est quick raids. Hein, donc les quick raids, c'est les raids éclairs en français. Mais c'est vrai que nous, on dit quick raids, on dit les QR. Donc les quick raids, les amis, ont changé. Bizarre, hein, depuis les patch notes, ça a changé. Je vais vous montrer un tout petit peu. Là, je suis sur les 28 HM. Donc le quick raid, je l'ai débloqué. Donc quand on va jouer, on peut voir quoi là-dessus? On peut voir qu'on va gagner, donc du coup, des ressources. On va gagner des parchemins, on va gagner des parchemins, du coup, et on va gagner, bien entendu, par exemple ici, hein, entre 19 et 28 parchemins de familier, 12-19 parchemins de bracelet. Donc du coup, on aura, quoi qu'il arrive, des doubles parchemins, d'accord? Et on va avoir, peut-être, avoir la chance, hein, d'obtenir un familier et obtenir aussi un bracelet. Alors, je vous dis tout de suite, hein, ça n'existe pas depuis jusqu'à hier soir. On avait toujours dans les quick raids qu'un seul item, d'accord? C'était pas mathématique, hein, c'était... Il n'y avait rien de... Tout est calculé, d'accord? J'avais tout est calculé. On n'a jamais eu deux items dans un quick raid. Il y a toujours eu un item et double parchemin, d'accord? Je vous montre un petit truc depuis hier soir, ce qui se passe, hein, et c'est pour ça que mon Discord est un petit peu peut-être en ébullition. Regardez ici. Ça, c'est mes anciens quick raids, d'accord? C'est mes quick raids, c'est moi qui les ai faits. D'accord? Donc là, on voit quoi? Bon, on voit, hormis l'event, hein, on voit qu'on a du coup double parchemin, comme je vous le disais, un item, comme je vous le disais, et tout le reste, d'accord? Donc on va changer encore une fois, regardez ici, encore une fois, c'est un de mes quick raids. On voit un item, double parchemin. Un item, double parchemin. D'accord?
Ici, on voit un item double parchemin, encore une fois. Donc, depuis le début, vous avez vu, hein, c'est, on a ce qui est dans le quick raid. Sauf que, voilà, on nous dit toujours de base, hein, tu peux avoir entre 0 et 1 équipement, x2. Parce que du coup, ici, on voit qu'on a du coup le torse, on a une veste et un collier. Et du coup, ici, encore une fois, hein, vous avez vu, quick raid, donc raid éclair en français, un item, 2 parchemins. Je vous rappelle que les parchemins, avec l'or, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Tu peux avoir un item comme j'ai aujourd'hui, hein. Regardez ici, si je fais ça, j'ai mes items, hop, j'ai de l'or, ok. Je veux augmenter mon prix de pieu, j'ai réussi, voilà, ma spear. Et donc du coup, vous avez vu, il faut quand même beaucoup de parchemins. Ces parchemins, je ne peux pas faire n'importe quoi, donc du coup, eux, je les garde pour ma DBR qui sera... un jour ou l'autre, hein, mythique, hein, dans très longtemps, mais elle sera mythique tout ou tard. Donc je suis obligé de les économiser, parce que les parchemins, c'est une galère complète à avoir. Ils nous demandent énormément de parchemins pour un up. Vous avez vu, 600 pour un up. Donc c'est vraiment très compliqué. On repart dans les screens, regardez ici, voilà. Ici, on a, je crois que c'est le dernier, hein. Ici, on a 2 parchemins, un item. Et regardez ici, ah, c'est celui-là le dernier. Un item, 2 parchemins. Donc vous avez bien vu, hein, on n'a jamais eu 2 items, on a toujours eu 2 parchemins. C'était bien comme ça. Maintenant, effectivement, quand on nous dit que les ressources ont peut-être évolué, il faut que ça évolue dans le bon sens. Donc il faut qu'on garde ce qu'on a là, hein, c'est ce que je pense aussi, hein, mais qu'on augmente notre gain, tout simplement. Regardez les nouveaux quick raids depuis aujourd'hui, alors que la mise à jour n'est pas sortie. Hein. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas? Je ne pense pas. Je pense qu'ils travaillent un petit peu sur les serveurs, ou je sais pas comment ça marche, je suis pas développeur. Dans les commentaires, tu pourras me dire comment ça marche. Hein, tu connais un petit peu, tu me dis comment ça marche, et moi, voilà, je serais ravi de t'écouter, de te lire. Et du coup, bah, voilà. Depuis aujourd'hui, regardez ici. 2 items, 1 par show. Donc, effectivement, c'est bien. On gagne un item en plus. D'accord? Les ressources, je sais pas trop, il faudrait voir sur du long terme pour voir si ça évolue ou pas. Mais là, sur un instant T, on voit qu'on a maintenant 2 items, mais plus qu'un seul parchemin. Pourtant, on voit bien derrière le screen qu'il y a entre 12 et 18 parchemins d'armes et 12 et 18 parchemins de bracelets. Donc, je pense que c'est un bug, je ne sais pas, en tout cas, beaucoup qui ont fait leur quick raid aujourd'hui ont eu tous ça. Regardez différents quick raids. Hein. Ici, encore une fois, vous avez vu, parchemin x1, arme x2. L'arme x2, c'est ce qu'on aurait dû avoir depuis le début, en fait, des quick raids. C'est jamais arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe, Abby? Que se passe-t-il? Regardez encore ici. 2 items, 1 parchemin. Pourtant, on est censé avoir minimum 2 fois 12 parchemins de chaque, là. C'est pas normal. C'est ça, alors, je sais pas, hein, peut-être qu'ils travaillent sur la mise à jour et qu'au final, bah, ça dérègle tout. En tout cas, je ne sais pas. Mais bon, c'est intéressant. Ici, vous avez vu, encore une fois, 2 items. Et là, il n'y a carrément pas de parchemin. Alors qu'on est censé avoir, encore une fois, on voit ici, hein, 12 parchemins de chaque, de ce qui est écrit. C'est absolument pas normal. Ici, 2 items, 1 parchemin, et c'est le dernier screen. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est... je pense pas que ça soit logique, c'est pas très logique, puisque ça aurait été... je vais y arriver, ça aurait dû être écrit tout simplement entre 0 et quelque chose. Parce que du coup, le 0, ça prouve que du coup, tu peux ne pas avoir tout le temps l'item en question. Sauf que là, bah, on doit avoir 2 fois des parchemins. Et l'item qui se trouve là, l'équipement, bah, on doit avoir entre 0 et 1, donc 0 et 1 n'est pas garanti. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a toujours eu, sur les quick raids de ce matin, depuis ce matin, 2 items, mais que seulement 1 parchemin. Alors, qu'est-ce qui est mieux à avoir? Est-ce que c'est mieux d'avoir pour vous des items que des parchemins? Mais je vous l'ai dit, hein, si t'as pas les parchemins, ton item, il te sert à rien. Voilà, tu peux pas l'augmenter, donc il te sert à rien. Donc voilà, je suis un peu sceptique là-dessus. Faut voir si c'est un bug. Alors voilà, faut pas non plus s'avancer. La mage n'est pas sortie. Peut-être qu'ils travaillent sur leur jeu. Je sais pas comment ça marche, je l'ai déjà dit, hein. Je suis pas développeur ni quoi que ce soit. Dans les commentaires, si tu me dis comment ça marche, je serais ravi de te lire. Donc voilà, qu'en pensez-vous dans les commentaires? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, j'ai hâte que la mise à jour sorte. Je pense qu'elle sortira début du mois prochain, donc début mars. Donc on verra bien en temps et en heure. On a peut-être d'autres infos entre temps, etc. Parce que pour l'instant, il n'y a que le 23. Donc voilà, des bisous à tous. Un petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Partage la vidéo, commente-la. C'est tout. Bisous.